La vanne Clapet permet de faire baisser artificiellement la crue sur 15 communes jusqu'à 45 cm à Joinville-le-Pont et 10 cm à Gournay-sur-Marne. Et aussi à l'aval de Joinville, sur Saint-Maur, Bonneuil, Chennevière, où là, les niveaux peuvent être de 30, 20, 30 cm. Ça permet donc de limiter les dégâts sur les habitations, la circulation au bord de l'eau, que EDF, transformateurs EDF ne soient pas impactés par de l'eau et des équipements publics toujours accessibles. Et donc, il y a un avantage coût-bénéfice de cet ouvrage qui a été construit pour 3,6 millions par rapport au nombre de dégâts éventuels qu'il peut y avoir lors d'une crue.